Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Alors, on est vendredi 3 février. Je sais pas en fait sur combien de jours je vais vous prendre. Peut-être que je vloggerai un petit peu ce week-end et la semaine prochaine, parce qu'en vrai ce week-end je vais pas faire grand chose. Là je vais principalement me reposer. On est dans les derniers jours de ma semaine de vacances, ma semaine blanche, et je reprends les cours lundi. J'ai tellement pas envie, tellement la flemme. Mais en parlant de cours, je voulais vous annoncer que j'ai validé tout mon premier semestre. Donc je suis super contente et super reconnaissante. Thanks God, tout s'est bien passé. Juste là, je me sentais pas trop bien. Quelques crampes, donc j'ai pris un médicament. Là, j'attends que ça fasse effet. J'ai pris un bain. Je ne prends jamais de bain. Mais là, il y avait urgence. Je suis restée au moins facile une heure dedans. Ça m'a fait un bien fou. Ah, là, ça va mieux. Bref, j'arrête de blablater. Du coup, là, je vous explique. Dimanche, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 22 ans. Et du coup, pour l'occasion, comme je vais pas fêter mon anniversaire dimanche avec mes potes, etc., je vais rester à la maison. Aujourd'hui, vendredi, je vais aller manger avec des amis au restaurant. J'ai trop hâte. Là, je vais un petit peu me préparer. Je leur avais dit qu'on allait à 18h, sauf qu'au moment de commander j'ai paniqué. Je sais pas si vous êtes super confiant quand vous téléphonez, vous réservez quelque chose ou quoi, mais genre j'étais comme ça au téléphone et j'ai juste lâché 18h30 et après j'étais là, merde, en fait je devais réserver pour 18h. Bref, du coup c'est à 18h30 et plus à 18h, mais j'ai pas prévenu dans le groupe, donc je vais quand même leur envoyer un petit message tantôt pour dire les gars, vous pouvez arriver vers 18h15 parce que j'ai réservé pour 18h30. Il est 16h46, je vais quand même me maquiller maintenant parce que j'ai la flemme en fait de remonter après pour me maquiller. Et aussi rien à voir avec le make-up et tout ça, j'ai envie de faire du pain. Du coup je vais me préparer physiquement là maintenant, comme ça au moins c'est déjà fait, et après je vais aller faire du pain. Mais là je vais profiter pour me maquiller et voilà, je vais un petit peu je pense que je vais écouter un petit podcast et on se retrouve après. Je vous montre quand même l'outfit déjà. Voilà, petite robe noire, petite talons, voilà, petit sac blanc, on est sur un look noir blanc, petit détail de la montre, les cheveux, les gars j'ai fait mes cheveux hier, j'ai fait ça en plusieurs parties. Je vous montre un petit peu le make-up là, voilà, j'ai mis mes lunettes parce que sinon j'y vois rien, mais j'ai fait mes cheveux, donc je disais lundi j'ai mis un masque dans mes cheveux. De toute façon vous verrez dans ma vidéo que j'ai sorti mercredi passé, je la mettrai dans le petit ici ou là, vous verrez un petit peu ce que ça rendait. J'ai fait un petit masque et tout, j'ai laissé poser tranquille. Ensuite j'ai lavé mes cheveux, et mercredi du coup j'ai fait un brushing et j'ai coupé mes pointes. C'est vrai que je pense jamais à couper mes pointes. Il y a une époque où j'y pensais et après j'ai nexté. Et là du coup j'ai fait un brushing, j'ai coupé mes pointes. Et hier jeudi j'ai fait mes tresses. Et regardez-moi ça. Ça me saoule juste parce que celle-là, là, elle fait la rebelle. Il est 18h11. J'attends que ma pote vienne me rechercher et après on va manger. De toute façon j'ai réservé pour 18h30 donc... on est large. Je voulais faire mes ongles. Dans un de mes vlogs il y a 2 ans, je vous avais montré ceci. Si vous reconnaissez ça ou si vous vous souvenez que j'avais acheté ça, c'est que vous êtes vraiment des vrais. Des faux ongles en fait que tu colles avec des sticks. En gros tu mets le truc, ça colle ton ongle et ça colle l'ongle au-dessus. Au final à chaque fois je me disais ben, je mettrais ça pour une occasion. Je mettrais ça quand il se passera un truc ou quoi. Au final j'ai jamais pensé à les mettre. Et à chaque fois je me disais vas-y la prochaine fois je les mets, Devinez qui a perdu les sticks. Genre il y a tout dans la boîte, hein. Il y a les faux ongles, il y a la lime, mais il n'y a pas cette feuille avec les sticks pour coller dessus, donc je peux rien faire.
Donc je suis dégoûtée, mais tant pis, c'est pas grave. Je rachèterai, enfin une fois que je referai une commande ou quoi, je rachèterai des sticks pour mettre. Du coup, quand j'ai bien que ça me dérange, c'est ça. Et après, je... Allez, tu souffles. Tu fais la confession intime ou quoi? Merci. Allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je pense que je vais un petit peu coller les petits moments que j'avais passé précédemment parce que j'avais commencé un petit peu en début de vlog pour faire un petit peu la chronologie de tout ce que vous avez vu normalement. En gros, j'avais filmé le vendredi de la semaine passée. C'était le jour où je fêtais mon anniversaire avec mes amis, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a eu le week-end. Mon anniversaire, réellement, il était le dimanche 5 février. Ou lundi 6 février, c'était la reprise des cours, rentrée. J'avais un cours d'anglais. Hier, j'avais deux cours. Non, hier j'avais un cours, hier j'avais un cours de 14 à 16h. Et là aujourd'hui j'avais deux cours, un cours de marketing digital le matin et un autre cours de visualisation de l'information et machin. Enfin je me souviens plus de la fin du cours, bref, je vous l'insérerai ici parce que je me souviens plus du tout du titre du cours. Voilà, c'était un peu lié à des stats et tout ça. Bref, là je vais devoir bosser. Parce que en gros demain j'ai deux cours, j'ai un premier cours d'écoute du web, le cours il est un peu plus long mais je me souviens plus du titre et les titres ils sont super longs. Demain matin et l'après-midi genre 16h45 j'ai 2 heures de cours de... Attends, ce cours là c'est communication d'organisation alternative. Demain en gros j'ai deux cours, un cours pour lequel j'ai pas d'indication, je vais juste aller et regarder ce qu'on va me raconter. Et j'ai un deuxième cours pour lequel je dois faire deux lectures. Ça, voilà, je vous prends un petit peu avec moi. Ce soir, là, je viens de rentrer des cours, je suis fatiguée. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, je suis crevée. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes lectures que je dois faire pour demain. Parce que du coup, demain, j'ai le cours. Donc, je vais lire et je vais prendre des notes. Parce qu'on nous a demandé de lire avant le cours. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et voilà. Normalement j'ai cours toute la semaine à ce cadre-ci, sauf cette semaine où j'ai pas cours le vendredi parce que j'ai pas de cours de néerlandais cette semaine, donc je finirai ma semaine demain. Mais là j'ai quand même pas mal de choses à faire. En gros je vous explique, là pour ce cadre-ci j'ai énormément de travaux de groupe. Enfin en fait c'est vraiment d'où l'importance d'aller au cours parce que à chaque fois quand on va dans le cours et qu'il y a un travail de groupe, en fait les profs ils ouvrent le canal pour qu'on puisse s'inscrire, donc vraiment c'est au premier arrivé, au premier servi. Donc c'est vraiment extrêmement important d'aller au cours pendant la première semaine parce que du coup ça te permet vraiment d'avoir le groupe que tu veux, la place que tu veux, ou alors de te retrouver avec des personnes que tu as envie. Donc ça c'est super super important. Du coup là j'ai déjà deux travaux de groupe pour lesquels j'ai eu des informations, etc. Demain j'en aurai deux autres normalement parce que j'ai 5 travaux de groupe, et puis plus tard dans le quadri, dans quelques semaines j'en aurai encore un autre. Donc voilà, il y a tout qui va un peu s'enchaîner. Là le fait en fait d'être avec des personnes qui sont réactives, déjà ça rassure de ouf. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Là ben, je vais arrêter de blablater, je vais mettre un petit peu mon casque et je vais faire mes lectures du coup que je dois lire pour demain. Et ensuite je vais prendre le temps d'avoir une soirée chill parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais cours de 9h à 16h. J'avais genre 9h midi, puis pause, et puis 14h16. Donc là, je suis fatiguée. Il est 17h22, donc comment vous dire que mon cerveau là, en PLS. Donc je vais faire ça. Je vous montre vite fait, mais ceci est beaucoup trop pratique. Mais genre, je mets ça en dessous de mon bureau. Et alors, quand je travaille, je viens me poser ici.
Je mets mes pieds là-dedans et c'est le feu. Je sous-estimais grave ça, mais c'est super cute et en plus c'est super pratique. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ah, du coup vous voyez rien. Vous avez même pas vu quand j'ai allumé la bougie. Attendez, je vous fais un petit zoom. Oh, on voit que dalle. Oh, on voit rien du tout. Et je vais me mettre à bosser. Yeps, yeps.